l'ennemi contre le reste du monde. Dans la Troisième Guerre mondiale, attaque les gens qui se défendent dans leur voie laryngotrachiale. Change sa morphologie profonde, menace le pronostic vital avant qu'il noie et inonde les lobes et les parties basales. Le coronavirus change, stimule la dixième vagale, abrite les fièvres les plus grandes, signant le jugement final. Le combat est vivement plus intense. Après 2 semaines cruciales, dans les poumons en carence, champ de bataille infernal. Les micro-organismes se lancent et lancent des attaques fatales contre les progrès de la science qui classe la foi cordiale. L'époque de la Terre est ronde, comme dans le temps médiéval, et comme le Covid qui s'invite dans les fonds des voies orales de ces pauvres victimes qui plongent dans le bain mortel viral. Espèce qui a pris naissance l'hiver dans un temps glacial, dans les labos de la France, en Chine, dans la zone rurale. Le bon confinement relance l'état d'urgence maximale, vivement la meilleure défense contre les virémies causales. Cette guerre impose la prudence plus que Mopral Corvazal contre cette énigme et puissance qui touche le corps et le moral.